C'est à vous les meilleurs moments pour vous accompagner. C'est jusqu'à 21h avec tout de suite pour commencer les radoteurs. Stéphane de Groot, Gilles Gaston Dreyfus. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Ça va ? Ça va bien ? Vous êtes en forme ? En forme. Vous attendez depuis longtemps ? Et vous ? Non, j'arrive. Oui, ça, ben, j'ai vu. J'ai lu un article, malheureusement, que je n'ai pas lu. Enfin, je veux dire par là, non, pardon. J'ai un article que j'ai mis dans un coin. C'est intéressant, dites-moi. Enfin, je veux dire que je veux dire par là que je vais le lire. Ben, vous en reparlerez quand vous l'aurez lu. Voilà. Non, mais c'est sur les couples qui ne font plus l'amour. Vous faites encore l'amour, vous ? Ben, mais... C'est des questions très personnelles. Mais non, enfin, vous abordez le sujet, vous sortez d'un article. Non, vous faites l'amour, vous ? Bah oui, forcément. Mais pourquoi forcément ? Parce que c'est un acte naturel. Je n'aimais pas parler de sexe. Hein. Non, mais parce que c'est de l'intimité. Pour parler de votre sexe, vous dites quoi comme terme ? Quand je parle à mon sexe. Quels sont les différents mots ? Moi, quand je veux parler de mon sexe, je dis mon sexe. Oui ? Bah, il y a pénis et verge. Mais... C'est élégant, vous le dites avec beaucoup d'élégance. Si vous parlez d'un sexe, vous pouvez dire un bâton de chaise. Bâton de chaise ? Oui. Vous dites un poteau aussi à ce moment-là. Un poteau, excellent. Mais non, c'est pas parce que c'est au blond que c'est lié au sexe. Si. Mais non, à ce moment-là, vous dites un cône. Excellent, un cône. Tout ce qui est tige, enfin saucisson. Tige, alors, très bon. Un manche. Manche, génial. Vous êtes malade en fait. Mais non, tout ce qui est... Tout ce qui est long. Non, oui. Un tube. Génial. Ou votre bûche. Oui. Votre souche. Oui. Quoi alors ? N'importe quel terme est ambigu. Mais non, parce qu'ici, je parle de votre canapé, je ne pense pas du tout à ce qu'il y a dans votre pantalon. Non, on est bien d'accord. Si vous le dites comme ça, dimanche dernier, j'ai pris ma canapé et j'étais taquiné la truite. Ah, voilà. Là, on est sur quelque chose. Et pas parce que vous introduisez l'ambiguïté. Monsieur De Groot. Comment ? Ah, je crois que quelqu'un vous a pêché, là. M'a pêché ou alors ? Ouais. Les radoteurs, c'est tous les soirs dans C'est à vous, une émission qui a offert leur première apparition à la télévision à François Civil et à la chanteuse Pomme. Les tout débuts à la télévision, au cinéma ou sur les planches des moments clés sur lesquels nos invités se sont confiés, à commencer par Brigitte Fossé et son premier rôle à 5 ans dans Jeux interdits. Vous avez quel âge ? Je viens d'avoir 14 ans, là. J'ai entre... Vous me donnez quel âge, Bobette ? Non, j'en sais rien, c'est juste pour savoir à quel âge vous avez eu votre premier grand rôle au cinéma. C'est pour faire une comparaison là. Forcément qui ne sera pas flatteuse, oui. Puisque le premier rôle au cinéma, Brigitte l'a eu à 5 ans. Donc, de toute façon, j'ai 7 ans maintenant. Ah oui, bah, l'âge de raison. Très bien. Voilà. Fait-on ça. Au 7 ans, Brigitte. 5 ans, Paulette dans José Tardy. Évidemment, on est en 1951. Juste ce qui nous intéresse, évidemment, il y a cette musique incontournable. Mais si vous décrochez ce rôle, ce qu'on sait peu, c'est grâce à votre... Enfin, grâce. C'est parce que votre tante avait déniché une petite annonce dans Nice Matin. René Clément cherchait des petites filles entre 9 à 12 ans. Vous étiez très nombreuses, 250 fillettes à auditionner. Et c'est vous qui avez passé... Non ? 50. Ah bon, alors j'en ai rajouté 12. Oui, ça va. Ils ont peur de rien. 5 millions, Babette. 5 millions, et vous avez eu le rôle parce que vous n'aviez peur de rien. Mais en fait, je n'étais pas encore timide. J'avais 5 ans. Elles avaient 12-13 ans. Et donc, quand il a raconté une histoire, il m'a demandé de la raconter après. Ça ne me posait aucun problème, d'autant plus qu'on faisait du théâtre avec mes parents... qui récitait des poésies, qui chantait des chansons, dansait le tango. Enfin, c'était démentiel à la maison. Alors, évidemment, René Clément, lui, me paraissait être comme un professeur, comme un voilà, j'allais à l'école, j'adorais ça. J'écoutais les histoires et après, il fallait les dire en riant ou en pleurant. Je trouvais ça simple, comme tout. C'était comme jouer au papa et à la maman, pour moi. C'était une époque pas facile, où vous obteniez pas toujours les rôles que vous vouliez obtenir. Et notamment, votre agence bougeait pas beaucoup. Un jour, vous l'entendez proposer une audition à une autre actrice que vous. Qu'est-ce que vous avez fait, du coup, vous nous racontez ? Trop fort, ce souvenir-là. Oui, qui raconte une détermination qui m'étonne encore maintenant. Oui, oui, elle disait toujours que j'avais rien. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il y avait deux téléphones chez elle. Si elle m'entend, et si elle m'entend raconter cette histoire. Non, mais il y avait deux téléphones. Et elle me dit, non, il n'y a rien, chérie, il n'y a rien. Attends une seconde, le téléphone sonne. Et elle donne un rendez-vous à la Comédie des Champs-Élysées à 14h pour une audition. Et j'écoute, et elle me reprend, elle va voir. Non, mais il n'y a rien, Nicole, il n'y a rien. Bon, rappelle dans une semaine. Voilà. Et je suis allé à 14h à la Comédie des Champs-Élysées. On me dit, vous venez pour l'audition ? Je dis oui. Ah, prenez-la. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma première pièce, Hôtel Racine, oui.
Ben voilà. Ben bravo, oh, bravo, bravo, bravo. Claudia et Michel, vous avez démarré par le théâtre. Très vite, l'humour et la comédie ont fait votre succès. Vous avez joué même des tragédies au théâtre au début. Oui, c'était ma formation. Ben ouais, c'est j'ai fait Paris 8 en ouais. théâtre. Donc j'ai pu avoir des textes d'Olivier Py en main, de Valère Novarina. En fait, voilà, c'était cette langue-là vers quoi j'allais. Et puis après, comme on dit dans la vie, on fait des rencontres, des opportunités. Et les opportunités, il faut savoir les saisir. Et du coup, j'ai dit, ah bon, j'ai l'énergie pour faire ça, ben on y va, alors go. En 2023, oh là là. On vous a découvert dans un premier rôle au cinéma. Tout à fait. Le rôle principal de la Vénus d'argent d'Elena Klotz. Vous y incarnez Jeanne, qui est prête à tout pour réussir dans la finance et obtenir sa liberté. Vous partagez l'affiche avec un beau casting, Anna Mouglialis, Nils Schneider, Sofiane Zermani et Mathieu Amalric. Vous avez aimé cette expérience ? J'ai adoré faire ça. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite. Et j'ai moins adoré avoir cette coupe au bol. Mais ça, c'était un détail de l'histoire. Et j'ai vraiment, c'était une expérience folle. J'avais envie de faire ça depuis très jeune. Et pour moi, c'était comme une sorte de longue méditation de 2 mois où je faisais juste une seule chose. Et je n'étais pas du tout polluée par le reste. C'était tellement prenant que je ne pouvais faire que ça. Et je crois que ça m'a vraiment calmée. 2 mois sans musique. Ouais, où j'ai composé un peu, mais en tout cas sans être sollicitée de toutes parts et avec un seul objectif qui était de porter ce film. C'était déjà bien assez suffisant, donc j'ai vraiment fait que ça. Et d'habitude, je fais beaucoup, beaucoup de choses dans la même journée et là, c'était très apaisant. Karine, vous dites que quand vous êtes arrivée là, il n'y avait pas de piston, il n'y avait rien, mais vous aviez la niaque, vous aviez l'envie et, oui. et vous y croyez, quoi. Ben, oui, oui, absolument. J'avais le sentiment que c'était là que serait mon bonheur. D'ailleurs, je ne me suis pas trompée. C'est là qu'il est. Et je me suis accrochée à ça. Je n'avais pas un physique exceptionnel. Je ne connaissais personne. Ma famille ne cessait de me dissuader de le faire. Et voilà. Mais je me suis dit, bon, ben, j'essaye 10 ans, en fait. Je suis arrivée à 17 ans. Et je me suis dit, à 27 ans, si je n'ai rien fait, il faut que je sois capable de... Et ça a démarré bien avant. Ben, bien avant, oui. À 24 ans, j'ai fait mon premier film. Ah ouais, donc... Et ça ne s'est plus arrêté après. Vous savez, ça n'a pas commencé facilement. Moi, on pensait que je n'étais pas sexué, que je n'aurais aucun pouvoir. Tous les agents m'avaient dit « arrête le boulot, arrête ce métier ». Tu n'es pas sexué, on ne sait pas si tu es homo, si tu es hétéro. Tu ne plais pas aux femmes. Alors ça m'a bouleversé. Ils m'ont dit « fais du théâtre, ils sont moins exigeants ». Donc j'ai été faire du théâtre. Et maintenant, au Théâtre Montparnasse, centaines de femmes comme Mick Jagger qui jettent leur soutif après Pascal, après La Fontaine. Mais vous y étiez, vous avez vu que ma il a jeté quelque chose. Non, mais c'est ce que vous disiez aux les agents, là. Ça, j'arrive pas à y croire. Hein. Mais quoi c'était au moment des premiers Homères. Ouais, et surtout, ils ne voulaient pas que je rentre chez Armédia. Armédia était la référence à cette époque-là. En agence. Tu n'es pas. Je ne vais pas dire les acteurs qu'ils avaient décidé comme sexués. Parce que. Bah, si. Non, parce que ça, c'est trop méchant pour les mecs actuels. Mais. Je n'ai pas pourquoi été aimé. Pourquoi ils ont mal gagné et surtout, je vais vous dire un truc, c'est que le drame, c'est que j'avais fait Perceval le Gallois. Oui, c'est ça, 2h20 d'octosyllabes. Donc, ils me connaissaient, les metteurs en scène. Donc, ils ne disaient pas « Oui, on veut bien le voir ». Ils répondaient « Ne nous l'envoyez pas, on le connaît, on le connaît, oui ben, !» C'est vrai, 2h20, ce fut autant qu'Arbre avec, Feuillis. Avec une coiffure en plus. Herbes et bois et prés verdis, et les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin, et tout être de joie enflamme que le fils de la veuve d'âme, dans le grand manoir solitaire, se leva et ne tarda guère. Alors là, par grappe, par centaines, ils partaient. Romer disait « J'ai fait un film difficile, je crois que j'ai fait un film difficile. » Et ce qui fait que personne ne voulait me voir. Yasmina, dès votre première pièce, Conversation, après un enterrement en 1987, vous remplissiez le théâtre de la Villette, grâce entre autres à la publicité totalement désintéressée d'un homme. Il s'agit de Pierre Arditi, c'était au journal d'Antenne 2. Vous vouliez dire quelque chose sur une pièce de théâtre que vous venez de voir. Oui, je voulais dire très vite que j'ai vu hier soir un spectacle absolument magnifique qui s'appelle Conversation après un enterrement, qui est la seconde pièce d'un jeune auteur femme qui s'appelle Yasmina Reza. Et qu'on dit beaucoup en France qu'on n'a pas d'auteur, eh bien, en voilà un très important. Je crois qu'il faut se précipiter pour aller voir ce spectacle, parce qu'on va découvrir quelqu'un qui a une importance comme Tchekhov aurait pu en avoir, a dû en avoir une à son époque. C'est au théâtre Paris-Villette, c'est-à-dire à la Porte de Pantin, c'est-à-dire en plein Paris. Et il faut absolument aller voir cette magnifique pièce. Je crois que vous ne saviez même pas que Pierre Arditi était dans la salle la veille. Le soutien de Pierre Arditi, à qui vous aviez déjà envoyé vos premiers textes quelques années auparavant, j'imagine, a beaucoup compté, et sa personnalité aussi. Alors,
J'avais jamais revu l'extrait. Je me souvenais pas de la comparaison avec Tchekhov, qui est quand même merveilleuse. Mais il faut dire que quand j'ai dit à mes parents que ma pièce allait se monter au théâtre Paris-Villette, mes parents m'ont dit « Tu vas nous dire quand ça viendra à Paris ». Pour eux, c'était vraiment le... Je ne sais pas ce qu'ils imaginaient dans le théâtre Paris-Villette. Mais quand... Donc, on avait... Oui, il y avait une bonne publicité, il y avait un peu de réservation. Mais quand Pierre a fait ça, la salle s'est remplie, mais dans la seconde. Et n'a jamais désempli, parce que le spectacle était très, très beau. Je le dis vraiment de façon désintéressée, parce qu'il était magnifiquement monté par Patrice Kerbrat, avec des acteurs fantastiques. Et voilà, mais Pierre a été génial, vraiment... vraiment formidable. Pour vous, c'est 96, c'est la date de Truisme. Évidemment, énorme succès, scandale aussi. Hein, voilà. Première ligne de ce livre, vous prévenez, je ne doute pas que l'éditeur qui prendra en charge ce manuscrit s'exposera à d'infinis ennuis. Ennuis, c'est le début, oui, c'est vrai. Paul Tchaïkovski, Laurence Poel, riait toujours de cette phrase. Oui, oui, parce que ce n'était pas vrai pour lui. On a fait beaucoup la fête, c'était super. Voilà, c'est formidable. Bon souvenir, vous aviez 27 ans, vous étiez normalienne. Et évidemment, très joyeux souvenir. Comme votre héroïne, Diane, vous êtes avocate, vous avez prêté serment en 2009. C'est une vocation, vous n'auriez pas imaginé faire autre chose, Tiffaine Osier? Non, je plaisantais en disant que quand j'étais petite fille, on regardait le dimanche soir Stéphane Collaro et que pendant un temps, j'ai eu envie de faire Coco Girl. Je disais, comme quoi l'image des petites filles, ce qu'elles voient à la télé, ça compte. Mais heureusement, j'ai été rattrapée très tôt par l'avocature. Ça a fait de vous, cette pièce, non seulement une star en France, mais aussi à l'international. C'est incroyable. Pièce traduite dans 35 langues, jouée à Londres, à Buenos Aires, en passant par New York ou Bombay. Vous avez reçu de très prestigieux prix, le Tony Award, c'est les Oscars du... théâtre américain, leur équivalent britannique, le Laurence Olivier Award. Vous auriez pu enchaîner sur une carrière à Hollywood. On vous avait fait des tas de propositions. Mais non, ça, vous aviez peur de vous trahir. Oui, je ne me voyais pas vivre à Hollywood. Et surtout, ce n'est même pas tellement ça. C'est que moi, j'ai toujours eu peur. Alors, j'étais très heureuse du succès, toujours. Mais j'ai toujours eu peur que le succès... engendre quelque chose d'un peu dangereux qui est que les gens veulent toujours la même chose de vous. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire autre chose. Et les Américains voulaient que j'écrive des comédies à la manière de A. Moi, ça ne m'intéressait plus. Je l'avais fait une fois, j'avais envie de faire autre chose. Donc, en fait, je n'avais pas une tentation énorme. Vous êtes un grand fan du cinéma américain des années 70. Ouais. Le rêve américain, on le sait, hein, vous en avez fait l'expérience, on va pas parler de la plage, Blood Ties, que vous avez réalisé en 2013. Qui, mais ce rêve américain-là, vous n'avez pas voulu aller plus loin. On vous a proposé réaliser des grosses productions, vous avez dit non. Oui, je me sentais pas à l'aise, mais l'expérience de Blood Ties aussi m'avait un peu marqué, parce que c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir parler aux figurants sans avoir une amende, enfin, tous ces trucs-là qu'on connaît, c'était assez particulier pour moi. Et j'ai jamais eu, non, ce rêve américain, même en tant qu'acteur. On m'a proposé des choses. J'ai fait des films, d'ailleurs, avec Keira Knightley, Last Night, des films comme ça. Mais je ne me sentais pas dans mon élément, en fait. Je ne me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose dans le fonctionnement, dans les équipes, dans tout ça, où non, j'ai pas... Puis peut-être que je ne suis pas aussi assez... assez fort pour faire tout le travail qu'il y a autour aussi, qu'il faut faire de... Mais un peu de washi-washa, quoi, c'est ça? Non, et puis moi, j'ai quand même beaucoup travaillé en France pour en arriver là. J'ai fait beaucoup, beaucoup de... Voilà, j'ai bossé, vraiment. Et puis à un moment, j'avais pas envie de tout recommencer là-bas non plus, à aller courir les castings partout, de faire... Et je me paumais en plus sans arrêt avec le GPS en bagnole, aller dans un studio à un autre... Voilà, et à un moment, j'ai dit, OK, c'est pas pour moi, et je suis rentré à Paris. John, vous avez commencé votre carrière de comédien au théâtre à l'âge de 12 ans, puis vous avez fait un peu de télévision. Le premier film, je crois que c'est Shopping de Paul Anderson, mais c'est en 94, je crois. Mais c'est surtout 3 ans plus tard que le grand public, comme on dit, mais le monde entier, et la France en particulier aussi, va vous découvrir dans un film de science-fiction inoubliable. Bienvenue à Gattaca. D'Andrew Nichols. Gattaca n'a pas eu le succès public escompté à sa sortie, mais il est considéré aujourd'hui comme un véritable chef-d'œuvre. Il a changé votre vie ?
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je crois qu'on peut dire ça. Je crois que, en fait, tous les films que j'ai faits au début de ma carrière ont été des petits tremplins. C'est ainsi que j'ai pu découvrir Hollywood. Évidemment, cela a une influence, une incidence importante, le fait de travailler dans les studios des majors. Et ça fait des années que je n'ai pas revu ce film. Même ma voix était plus jeune. La NASA a dit que c'était sans doute le film de science-fiction le plus plausible de l'histoire du cinéma. Oui, j'ai entendu ça, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle j'adore la science-fiction, parce que si on fait les choses correctement, vous avez un moment où la réalité dépasse la fiction, ou en tout cas, elle est rattrapée par la fiction. Et là, c'est la génétique, c'est très, très actuel. Jamel, il a joué son spectacle Zénith de Lille. Il faut absolument que j'arrive à le voir. Le mec de l'interphone, je sais même pas ce que je lui ai raconté. Mais j'étais tellement déterminé. Je pense qu'il a senti cette détermination à travers son interphone parce qu'il m'a dit « Ok, vas-y, je t'ouvre la barrière. » Il est juste là. Je prends une photo, c'est sûr, je prends une photo. Je suis pas satisfait, en fait. Parce qu'en fait, il me voit, mais il sait pas, en fait, ce que je fais, ou il sait pas. Et lui, il me voit juste comme un petit qui va lui demander une photo, en fait. Et ça me frustre. Un jour, il va savoir qui je suis. Salut, Elias Jabel. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue avec nous. Votre histoire, elle est complètement dingue. C'est une histoire de détermination. Vous avez poursuivre Jamel à la sortie de son spectacle, c'était à Lille. Ouais. Mais c'est aussi une histoire de coup de bol invraisemblable parce qu'un jour, après cette course-poursuite qui n'avait rien donné, vous recevez un contrat pour intégrer la troupe du Jamel Comedy Club. Danse de la joie. Redescente immédiate quand vous réalisez qu'en fait ce contrat il est adressé à un autre Iliès. Il y avait une sorte de malentendu. Ouais. Mais vous vous démontez pas et vous vous présentez quand même aux dates qui étaient indiquées sur le contrat. J'y vais quand même. C'est toute l'histoire de ma vie et de ma petite carrière pour l'instant. Et là, j'ai jamais été prévu et j'ai toujours été là. Pour vous expliquer cette histoire, ils avaient envoyé un mail sur ma boîte mail, mais en fait ils voulaient un autre Iliès. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas grave. Personne ne le sait, je vais quand même y aller. Donc, je suis arrivé au Jamel Comedy Club. Il faut savoir que pour nous, les humoristes, le Jamel Comedy Club, c'est l'équipe de France. On veut tous intégrer cette troupe. Et du coup, j'y vais. Je me dis, c'est pas grave, je fais comme si je ne savais pas. Et j'arrive. Et quand je suis arrivé, le vigile, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu un mail. Il me dit, c'est pas toi le bon Iliès. Je dis, mais s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Moi, je viens de loin et tout. Ils m'ont dit, t'es là, tu vas jouer. Ah, sympa. Et j'ai fait un sketch. Et il se trouve que ce soir-là, dans la salle, il y avait Jamel Debbouze, Destin fait qui était là. Il m'a vu, il a dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est une erreur. Il a dit, alors on garde l'erreur. Et ils m'ont gardé. Et depuis, je suis rentré dans la troupe. Après ça, j'ai présenté les troupes. Et je me suis retrouvé à faire le Marrakech du rire. Pour remonter le fil encore plus tôt, à 10 ans, vous intégrez l'école de l'Opéra à Paris après avoir été repéré, préparé à l'examen d'ailleurs par une ancienne danseuse étoiles. On a retrouvé des images de vous à l'Opéra de Paris. C'était en 1988, vous avez 15 ans. Il faut rebondir et frapper les gens. Tac, tac, tac. On est en compétition, alors on se fait parfois quelques petites vacheries, mais enfin ça c'est... On peut dire que c'est normal. Quand on est en cours de danse, on essaie de faire encore mieux que sa petite copine. C'est bien parce que ça nous travaille encore plus. Surtout quand on arrive dans les grandes divisions, on a peu d'amis, on est toujours seul, on est solitaire et on n'est que personne, on reste dans son petit coin à penser, à travailler. Et c'est assez dur. On a peu d'amis, on est toujours seul. Vous en parlez de cette solitude. Vous parlez même dans le livre de la méchanceté aussi des adultes envers les enfants. À 10 ans, la directrice Claude Bessy, par exemple, note ceci dans votre carnet de fin de semestre. Aurélie devrait s'attacher à devenir intéressante, pas seulement jolie. Et cette phrase, elle vous fait mal encore aujourd'hui? Non, parce que j'ai pardonné et que dans la vie, il faut pardonner si on n'avance pas. En revanche, à chaque fois, mais à chaque fois, à chaque fin de spectacle, que je sois dans ces étoiles ou pas, quand on me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu étais belle ce soir !» Je me disais « Ok, ça suffit pas. Est-ce qu'il y avait autre chose ou est-ce qu'il n'y avait que ça ?» Ah oui, ça m'a quand même... Donc ça m'a un peu collé à la peau. Un jour où vous avez moins ri, c'est le jour où il y avait votre prof de français qui était là. Celle qui vous a mis le pied à l'étrier aussi. Ouais, c'est vrai, il y avait ma prof de français, Madame Leblond. Madame. Elle est venue voir mon Corinne spectacle. Leblond. C'est ça. C'est, c'est, c'est,
C'est grâce à elle que je fais de la scène, que je fais ce métier. Elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours. Et au lieu de me punir et de m'envoyer chez le CPE comme n'importe quel autre prof l'aurait fait, elle a utilisé une autre méthode. Elle a essayé de trouver un peu ma voix. Elle m'a dit « Je pense que t'aimes faire rire les gens ». Du coup, elle a pris de son temps de personnel après les cours un soir. Elle m'a inscrit dans une scène ouverte. Elle a pris sa voiture. Elle m'y a accompagné. Et on a écrit un sketch tous les deux, pas drôle. Bravo, bravo, madame. Et c'est grâce à elle, ouais. Franchement, madame c'est... Leblon. Ouais, franchement, ouais. C'est des profs comme ça qu'on a besoin, je pense. Merci, madame Leblon. Merci, madame Leblon, parce que grâce à vous, c'est à vous, là. À 15 ans, dans la maison familiale à Caen, vous étiez dans le sous-sol avec votre guitare à faire des exercices de blues électrique. Oh non. Ah. Oh. Toi, quoi, là, c'est... vous reconnaissez pas? C'est surtout la manière dont je me regarde dans le retour de l'iPad en me disant elle est pas mal cette tête. Alors que c'est pas fou quoi ce que je suis en train de jouer. Chouette. Ça fait seulement 2 ans que vous avez décidé vraiment de vous lancer dans la musique. Avant, vous étiez pion dans une école quoi. Ouais, c'est ça. J'étais pion dans un internat. Mon job, c'était d'accueillir les élèves à 18h30, m'occuper d'eux, et puis le lendemain, à 6h40, fallait que je les réveille. Sauf que moi, je suis pas un gars de 6h40. et du coup, très vite, je les ai laissés vraiment sur une autonomie de réveil. Et ils le maîtrisaient pas mal. Ouais, mais j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et c'est un super souvenir, en vrai, parce que... C'est pas si vieux déjà. Ouais, c'est ça. Et puis les élèves maintenant, je reçois des messages de leur part et tout, et c'est cool parce qu'ils m'ont vu aussi arriver en retard parce que j'avais une répétition, leur faire écouter les premiers trucs que j'enregistrais chez moi et tout. Donc c'est beau de. Vous les rêviez pas avec la musique? Non, j'ai ramené une guitare une fois c'était quand même un bon moment. Il y en avait 2-3 qui chantaient un petit peu. C'est des moments cool au début quand on peut partager ça avec les jeunes quoi. Vous avez un point commun aussi, tous les deux? On en a plusieurs, je crois, mais je ne sais pas lequel. Plusieurs? Ouais. Un point commun qui concerne l'endroit où vous êtes. C'est que vous avez fait tous les deux vos premières télés à C'est à vous. Ah, alors moi, il y en avait 2 autres dans ma tête, mais... Okay. Quasi, alors oui, il y a une petite incertitude pour François, mais Pomme, on est sûr, c'est 6 janvier 2020. Oui. Vous avez interprété Je ne sais pas danser. Oui. C'était votre album Les Failles. Extraordinaire. Qui était vachement bien. Et François, c'était le 25 mars 2016, aux côtés de Pierre Ninet pour un film qui s'appelait Five. Mm-hmm. Ah oui, ça devait être... C'est vrai. On est ravis de vous accueillir. Vous, on est toujours ravis de vous accueillir. Vous, c'est la première fois. Donc en effet. Voilà, bienvenue. Mes premiers plateaux. Bienvenue chez nous. Vous allez nous parler dans un instant. C'est pas votre film. Première télé, pardon, quand même. Non, mais chez une nous. Une des premières, je crois. La deuxième, ouais. L'autre, c'était il y a longtemps. Donc du coup, là, c'est comme un deuxième. Oh, bah alors, ça nous émeut. C'est vrai. Et moi, je suis super ému. C'est un de mes meilleurs potes dans la vie, François. Donc je suis trop content de soir avec moi. On a cru comprendre. On va la Excellent. Et ben voilà. Depuis, vous êtes revenu à peu près tous les mois. Oui, c'est ça. Tous les mois et demi. Petit abonnement. En même temps, c'est délicieux, du bon vin, des gens sympathiques. Et donc, on est ravis. C'est quoi vos autres points communs, alors? Non, mais j'ai entendu que tu faisais de l'escalade. Moi, j'ai commencé l'escalade le mois dernier. J'en ai fait une fois, mais j'ai adoré. Donc, il y a ça, déjà. Attends. Des vestiges et de la Attention. Ah, une de plus. Tu te mets à l'escalade. Ce qu'on appelle un dîner thématique. Moi, je fais de la musique folk un peu, mais j'ai jamais osé. C'est mon rêve d'enfant comme toi, la comédie. Mais donc, peut-être qu'un jour, je sortirai. Mais le dernier truc, je sais pas si c'est vrai, mais mon prof d'auto-école m'a dit que tu avais passé ton permis au même endroit que moi. Non. Allez, et voilà. En fait, on nous a jamais vus dans la même pièce aujourd'hui. Oui. J'adore. Ouais, je l'ai eu en août. Voilà. Tu l'as eu du premier coup? Troisième. Très bon prof. Du coup, on recommande cette école. Et toi, François, combien? Oui, ils sont super. Moi, j'ai eu du premier coup, j'avoue. Ouais, mais toi, tu l'as eu tard aussi. Merci. Bah non, mais apparemment, moi, j'ai des infos. Je l'ai passé tard, ouais. Enfin, ouais, il y a quelques années, là. On dit que t'étais super. C'est vrai? Ça me rassure, ça me conforte aussi dans mon... Toi, tu l'as pas. Passage tardif de permis. Vous avez une sacrée histoire, Joseph. Hein. On la raconte avec Patrick. Vous avez coécrit avec Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy, son immense succès déjà certifié disque d'or. Oui, ce qu'on était. Extrait. Voilà,
Ça, c'était sur la scène de l'Européen. Alors, vous êtes tous les deux de Caen, donc vous connaissiez avant la Star Academy, parce que Caen, c'est une ville où tout le monde se connaît, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il paraît que vous avez écrit la chanson en une heure à la terrasse d'un café, c'est vrai ? Alors, pas à la terrasse d'un café, c'est non. Ouais. Dans un train. Non, dans un train. Non, rien de ferroviaire. Non, ça s'est passé. En fait, chez moi, j'ai créé moi un studio dans le sous-sol de chez mes parents. Et c'est un peu là-bas que j'écris, que je compose tout. Beau a été composé dans ce studio aussi. Et puis en fait, Pierre, c'est avant tout un copain de Caen, quoi. Ouais. Et il est venu un jour voilà, dans ce studio avec Daisy, qu'on voit aussi à l'image, qui est une très bonne amie de Caen. Et on a écrit cette chanson. Et écriture rapide, oui. Ouais, très vite, en une heure. En fait, on avait une autre chanson, c'était pas la bonne idée. Et puis, bonne info. Mais cette info-là est bonne. Écrit en une heure et c'est devenu le single d'or le plus rapide de l'histoire. C'est dingue. Hors rap. C'est génial. C'est fou. Mais tout le parcours, moi, en vrai, je vois ça depuis... j'ai assisté à tout son parcours dans la Star Academy, évidemment, depuis mon canapé. Et puis je vois tout ce qui lui arrive depuis. Et me dire que j'ai pu contribuer de près ou de loin... à ce succès-là, ça, c'est vraiment un honneur. Si elle est devenue comédienne, c'est parce qu'elle était nulle en danse. Et oui, ouais. C'est ce que vous racontiez à Pivot. C'était en... Ouh là là, il y a longtemps. Ah, je n'ai pas la date. Énergie encore. Vous vouliez devenir comédienne ou danseuse ou... Je voulais être danseuse et puis j'étais nulle là-dedans, hein, ça arrive. Et puis, mais ça m'a fait faire une scène. Un jour, j'ai fait un spectacle et je me suis retrouvée avec plein de nanas, des danseuses. On faisait un truc classique jazz, enfin bon. Et tout à coup, les gens ont applaudi. Et alors là, je me suis mise à m'effondrer en larmes. Je ne pouvais plus rien faire et je les voyais à côté très, tout à fait normal. Et moi, je pleurais. Et pendant une heure après, je pleurais encore. Et alors ? Et bien alors après, j'ai arrêté la danse parce que je voyais que c'était ça. Mais par contre, j'ai vu que la scène, et ben, c'était quand même assez grandiose, quoi. Tu n'as jamais repris la danse. On dirait ma fille. Ouais, c'est ça me ressemble tellement à ma fille. Ouais, oui, j'ai arrêté la danse et ça a été très, très dur. J'ai fait une dépression quoi, à 14 ans. Même plus grave que ça, puisque je ne voulais plus vivre, en fait. Et c'est en voyant une femme à sa fenêtre, dans un hôpital pédopsychiatrique. J'ai vu Romy Schneider et je me suis dit je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et je me suis inscrite dans ce cours et là je me suis sentie bien. J'avais vous voyez, toutes les émotions qui débordent tout le temps, c'est embarrassant dans la vie. Et là, tout à coup, sur scène, on me disait non, ça va, c'est OK. Quel débord, et même c'est chouette. Donc, ouf, un endroit où on peut déborder. Mirabel, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Popek, Maxime Gasteuil, Fred Testo, Sophia Aram ou encore François-Xavier de Maison. Ils nous font rire sur scène et à chaque fois qu'ils partagent avec nous le dîner de C'est à vous, l'occasion aussi de se rappeler l'importance cruciale de la liberté et du pouvoir du rire. Bonsoir Paul Mirabel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de faire une promo de rêve sur le plateau de C'est à vous. C'est la première fois que vous êtes invité en direct à la télévision pour parler d'un de vos spectacles. Je crois, oui. Ouais, ouais. J'ai fait que des petites émissions sur Internet, etc. Et là, c'est la première vraie télé. Ça alors. Et vous êtes stressé ? Non, ça va. Non. Ah bon ? Il est toujours... C'est mon état normal dans la vie. Mais je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Ce succès, c'est peut-être la meilleure réponse à quelques mauvaises langues qui voyaient en vous un feu de paille. L'homme d'un seul sketch qui a cartonné, c'était en 2019 sur Internet, ça s'appelait « Je me suis fait racketter », qui cumule aujourd'hui à 26 millions de vues sur YouTube. En quelques heures, en quelques jours, vous êtes passé du statut d'anonyme à connu. Ça s'est passé très rapidement. En fait, je me souviens, je jouais dans une toute petite salle, dans le plus petit théâtre de Paris à ce moment-là, qui faisait 25 places. Et la vidéo de ce sketch-là est sortie à 18h. Et j'allais au théâtre à pied. Et en allant au théâtre, en arrivant là-bas, je me rends compte que j'ai pris je ne sais plus combien d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Et en fait, ça correspondait au moment où ce sketch a été mis en ligne. Et ça a été le point de départ, en tout cas, du fait qu'il y a un peu plus de monde qui se sont penchés sur... Sur votre cas. Voilà. Vrai, c'est le titre de votre premier spectacle dans lequel vous racontez votre parcours, vous qui avez grandi entre Roubaix et Hasbrouck, avec 5 frères à la maison, et une scolarité au lycée catholique Saint-Jacques d'Hasbrouck. Dans ce spectacle, vous racontez la vérité, rien que la vérité. C'est un conseil que vous a donné votre mère. Presque toute la vérité, ouais. C'est pour ça que ce spectacle s'appelle Vrai. C'est le conseil que m'a donné ma maman avant que je parte du Nord. Elle m'a dit, sois toujours toi-même, sois toujours vrai. Et je trouvais que c'était un bel hommage... d'appeler ce spectacle Vrai. Puis en plus, ça me correspond un peu. Sur scène, je suis moi.
Je parle avec les gens comme si c'était mes amis. C'est le vrai Iliès qui est sur scène. Et du coup, j'ai appelé ce spectacle vrai. Ouais, je trouve que c'est important d'être vrai. On va voir ce qui vous a fait exploser sur les réseaux sociaux, ouais. Ce qui a fait votre succès. Vous avez pris l'habitude de vous moquer ce que vous voyez passer, ouais. Sur les réseaux. Par exemple, d'abord, ce pseudo-aventurier qui fait le fier parce qu'il a une énorme bête, ouais. sur le visage. J'arrive pas à l'enlever. Il est... accroché de ouf, c'est un mégazoma, c'est une bête complètement inoffensive quand on fait pas le con avec. Ça, c'est un scorpion de la famille des Atrius motricanda. Il te pique, c'est pas compliqué. Au bout de 24 secondes, tu convulses, en 38, t'es mort. Tu sais qu'avec la LGV, c'est 2 heures Paris-Bordeaux, t'as à peine le temps d'un croque-monsieur, t'es arrivé. Patrick est toujours avec Sophie, non? On irait pas au ciné ce soir voir Top Gun? Je l'ai pas vu le 2, il paraît qu'il est fou. Voilà ce qu'on peut faire avec un scorpion. Mais je trouve ça dingue que le mec ait une espèce de bestiole énorme sur le front, il continue à parler, il fait son interview normale. Autre exemple, une complètement... vidéo de la Fashion Week avec une personne vous avez... tenue en laisse. Dévoilé. Non, ça c'est trop. Voilà. Ça c'est trop ce que vous allez faire. Oh, salut Patrick, tu vas bien? On t'a pas vu la soirée Royal Canin hier soir? T'inquiète, on tire sur Tuileries, on fait une petite balade de 45 minutes, il me sort pour pisser. Ouais. Mais alors, on se dit que pour faire ça, vous passez vos journées à regarder ce qui, les conneries, ouais. sur Instagram, non? Non, mais c'est vrai que je regarde quand même beaucoup. Mon producteur qui est avec moi a un énorme budget peinture et sous-vêtements. Non, mais on s'amuse. Ouais. Moi, je trouve ça dingue parce que tout ça est vrai, quoi. Donc le mec se fait balader comme ça en public devant tout le monde à 15h un lundi. Mais il n'a pas de travail, ce mec-là, c'est pas possible. Donc je suis obligé de rebondir là-dessus et ça nous a fait énormément rire. Voilà. Mais c'est vrai que vous passez beaucoup de temps sur Instagram. Ouais, bah en fait, c'est le confinement qui m'y a mis. Moi, je regardais beaucoup, j'avais un compte qui vivotait, mais le confinement m'a... J'avais que ça, en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait de la peine de plus être sur scène, de voir les gens. Le seul contact que j'avais avec eux, c'était les vidéos. Et moi, le sujet du premier spectacle, c'était Paris-Province, donc je tombais pile là-dedans avec le confinement. Et du coup, j'ai fait ces vidéos-là. Et après, je suis un peu devenu addict. Je pense qu'il y a un vrai truc avec le téléphone. Il faut que j'arrive à m'en dégager un peu, parce que c'est un peu grave. On sent il y a encore une petite pointe d'accent du sud-ouest, ouais. Mais vous l'avez bien gommé. Ouais, bah, au théâtre, ils ont été un peu méchants avec moi sur ça, ouais. Et vous disaient, tu feras jamais carrière si t'as. Non, ils m'ont dit, on joue pas un Molière avec l'accent du sud-ouest. Je leur ai dit, oui, écoutez, je vais essayer de le gommer, mais c'est vrai que il faut avoir un accent, enfin un accent, il faut être neutre, quoi. Par exemple, je disais pas neutre à l'époque, je disais neutre. Moi, je disais une pomme, pas une paume. Donc, ah, ouais, une paume de la main. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, il y a des trucs. Nous, on dit une poche aussi. Dans le sud-ouest, vous dites un sac en plastique. Quand je suis arrivé ici, les gens me prenaient vraiment pour un mec qui avait de la Kézac dans le cerveau. Et je dire, lui, il va pas bien du tout. Ce spectacle, vous l'avez lancé à la veille du deuxième confinement. Mm. Il est revenu en force, encore plus fort, 2 vagues sanitaires plus tard. Et finalement, c'est une période qui a changé votre vie, en tout cas votre rapport à ce métier. Oui, tout le monde, hein, je pense qu'on s'est tous pris une grosse claque. Je crois que... je vais vous dire la vérité, c'est qu'au moment du confinement, j'avais l'impression de travailler énormément. Et quand le confinement est arrivé, j'ai eu un truc de... Voilà, je vais être obligé de m'arrêter, ça va me calmer un peu. Et je vais écrire par uniquement afflux divin, au lieu d'être tout le temps en train de taffer. Et au bout de 6 mois de confinement, je me suis rendu compte qu'en fait, l'afflux divin, il n'arrivait pas du tout. Et je me suis dit, va falloir taffer quand même et s'y mettre, quoi. Oui, et puis vous blaguez en disant, après un an et demi sans parler, sans jouer, vous aviez besoin de plus parler aux autres que de faire rire, quoi. Ah, ça, ouais, je suis désolé pour les spectateurs du début, là. Vraiment, on n'était pas là pour faire marrer, quoi. Non, il y a un moment, il faut s'exprimer, et puis tant pis, quoi. Au final, évidemment, j'espère que c'est marrant quand même. Vous vous apprêtez, Verino, à faire ce que vous appelez la tournée des Grands Ducs. Ouais. Le Trianon, le 24 mai, c'est complet. Le Grand Rex, le 31 mai. Le Casino de Paris, le 14 juin. Le Théâtre Libre, le 22 juin, là aussi, c'est complet. Le Théâtre Antoine, le 28 juin. Et carrément, l'Olympia. L'Olympia et vous, c'est une formidable histoire. Ça sera le 5 juillet, parce que c'est là où tout a commencé, et c'était il y a 11 ans. Salut à tous, je m'appelle Verino, j'ai 30 ans, je suis comédien, humoriste et j'ai une idée de fou. Il y a des idées dans la vie, des fois tu dis « Oh, ça c'est une bonne idée de fou ça » et il y a des idées où tu te dis « Ça c'est une bonne idée de con ». J'ai décidé de faire la dernière date de mon spectacle à l'Olympia. L'Olympia à Paris, hein. Le vrai Olympia. C'est celui-là, le vrai Olympia avec... bon là t'enlèves Steve Miller-Band, tu marques Verino à la place. C'est le 13 janvier. C'est parti, c'est aujourd'hui, c'est le début. Il faut que cette Olympia soit une réussite. La différence entre une idée de génie et une idée pourrie, c'est vous qui allez la faire. Alors, vous aviez les cheveux moins gris, le courage encore de porter cette chemise orange. C'était une autre époque, d'accord. Pour arrêter de juger. Non, plus sérieusement, c'est une folle histoire avec les réseaux sociaux et vous l'avez... Et c'est là que ça a démarré. Ouais, hein, vous avez rempli l'Olympia tout seul. Bah, je sans
suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de fioritures. Dans ce métier, il y a énormément de paramètres qu'on ne maîtrise pas au tout début. En plus, quand on est humoriste débutant, on joue là où on peut, on fait des blagues comme on peut, on essaie de se débrouiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Je me suis demandé comment faire l'Olympia sans production, parce que j'avais pas les moyens, j'avais pas d'argent. Et en fait, l'idée, ça a été de faire un Olympia à prix goûtant. Donc, j'avais descendu toutes les places à 20 euros pour que, si c'est complet, on arrive à zéro. Et si c'est pas complet, je suis dans la merde. Mais en attendant, il y avait cet enjeu-là. Et je faisais une vidéo par semaine. C'est là que ça, je suis arrivé sur YouTube en fin 2012 avec ce truc-là. Et depuis, j'ai pas quitté YouTube, quoi. Et vous l'avez rempli. Et je l'ai rempli la veille. Mais je peux te dire que tu fais... Ah, ric-rac. Non, non. Pour moi, c'était une victoire totale parce que... Non, mais la veille, oui, au dernier moment. Quoi, ouais, mais moi, j'étais déjà très heureux. En vérité, je m'attendais à faire 200 payants. Je me suis dit, je vais mourir. Je me lance dans un truc catastrophique. Mais bon, allez, vas-y, c'est la combien, vie. C'est combien l'Olympia? 6 000? Non, je n'ai pas compris. Non, c'est 2 000. 2 500. Mais, mais du coup, effectivement... Tu parlais plus récemment. Ouais. Si, si, mais je compte pas à chaque fois les places. Ah oui, mais entre 2 000 et 6 000. Et donc, vous disiez... Pardon. Et donc la victoire, elle est que la veille s'est remplie. Donc moi, gamin, à ce moment-là, on voit bien ma tête. Hein, moi, quand je monte sur l'Olympia dans une salle complète avec un pari à ce point-là, je pouvais faire n'importe quoi. J'étais le plus heureux du monde. Est-ce que ça veut dire que vous allez nous proposer le spectacle de la maturité? Oui, j'aimerais qu'on me pose cette question. Moi, je trouve qu'on ne me l'a pas posée. Je vois souvent des artistes à qui on dit est-ce que c'est l'album de la maturité? Est-ce que c'est le spectacle de la maturité? Et moi, on ne me pose pas la question. Donc je vous demande, Anne-Elisabeth, de me poser la question. Est-ce que ce 10e spectacle lui-même est le spectacle de la maturité? Oh, vous n'allez pas me faire le plan de... le salaud. Non, non, je crois que c'est le spectacle d'une forme de... De rapport à la vérité. Ouais, et d'intime et de... J'appréhende absolument pas la manière dont vont être reçues les blagues, les idées, les pistes. Je suis très libre dans la manière de l'écrire et je ne pense pas trop au résultat. Voilà, c'est la première fois que je ne pense pas au résultat. C'est grâce à Gad Elmaleh, d'ailleurs, que vous avez fait ce métier. Apparemment, quand vous étiez plus jeune, 5 ans, vous regardiez en boucle les DVD de Gad Elmaleh. C'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Oui, entre autres, notamment tous les comiques de cette génération, Florence Foresti, Jamel, c'est des gens que j'ai beaucoup regardés. Et je crois que j'ai toujours un peu de mal maintenant à les rencontrer et à me rendre compte qu'on se côtoie un peu. Et notamment aussi tout le casting de LOL, qui sont des gens que j'admire beaucoup. Jonathan, Leïla, enfin tout le casting, je pense d'ailleurs. Donc il y avait un peu une petite timidité, mais j'ai passé une très bonne émission. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes humoristes se réclament de vous, entre autres talents. Je citerai Laura Felpin, qui dit que vous lui avez donné, c'est vous qui lui avez donné envie de faire ce métier. Elle l'a dit quand elle a reçu son Molière pour son spectacle Ça passe, l'année dernière. Et puis elle nous a fait une révélation à votre propos, à vous deux. Florence, vous avez vu à la télé, elle a senti la filiation. Un peu, ouais. Ouais, et maintenant, vous jouez au Scrabble ensemble. Ah, exactement, au Bananagramme. Et je peux vous dire qu'elle en tient une couche. Hein. C'est vrai. Elle est plutôt pas mauvaise. Mais c'est assez rare de jouer avec elle. Bananagramme, c'est comme une sorte de petit Scrabble pour vieilles personnes. Il faut aller très vite comme ça. Et elle excelle en la matière. Parce que je suis plus vieille qu'elle, donc j'excelle. Heureusement qu'on a ça au moins. Ah, bah oui. 50 ans, c'est on joue. C'est un Scrabble mieux. Revisité. Ouais, c'est un Scrabble de rapidité. Je vous prends au Bananagramme comme vous voulez, Pierre. Oui, je veux bien. Mais je pense que vous allez gagner. Mais vous avez un autre secret toutes les deux. Votre passion pour The Real Housewives of Beverly Hills. Oh, j'adore. Une télé-réalité américaine. Et du coup, Laura nous a envoyé un petit message pour vous regarder. Hi Florence, this is Laura Felpin, your friend from Los Angeles. I just wanted to say how much I love you, how much you inspire me since the very beginning. Voilà Florence, pour te dire que tu es une grande inspiration, que tu es aussi une très généreuse partenaire de jeu et de rigolade dans la vie. Et je te remercie également pour tous ces jolis conseils que tu m'as fait concernant ma skincare, qui s'est amélioré depuis quelques temps. Et j'ai hâte de te revoir. Bisous. Oh mon Dieu, c'est monstrueux. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mais tu sais, ça choque presque plus de nos jours, ce genre de filtre. Non, mais tu sais, il y en a qui sont vraiment comme ça. Donc tu te dis. On sait que Laura n'est pas comme ça. Non, mais Laura, elle est génialissime. C'est vrai que la première fois que je l'ai entendue à la télé, j'ai cru m'entendre. Alors, c'est pas du tout ni un reproche, ni je m'envoie pas des fleurs. C'est que, oui, j'ai senti une filiation. Et puis tant mieux. Et puis.
et je la trouve extraordinaire. C'est une super actrice. Ils vous ont inspiré pas mal, les inconnus, non? C'est pas ça qui t'a inspiré, je pense pas. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, non. C'est peut-être pas plus mal. Non, bien sûr, mais je pense que c'est... Votre sens de l'humour, Van et tout. On vient de là, notre génération vient vraiment de là. Il est responsable de notre humour, Bernard, qu'il le veuille ou non. Mais pas coupable. Si, franchement, si, parce que j'ai un humour très, très bête parfois, et ça vient de quoi? Toi, t'es friand de ça, mais... C'est quoi un humour bête? Un humour bête, c'est... bon, tu vas vite comprendre. Ouais, voilà, ouais, tu vois. Non, c'est répondre sur des, à la fin de phrase, sortir des petites phrases stupides, mais qui me plaisent. La culture des inconnus, des nuls, de Bacri, de tout ça, il y a un truc qui me... de la culture du bête et de l'absurde qui me fascine, quoi. Et Bernard est responsable un peu de ça, quoi. Un mot sur une femme qui vous a inspiré, ouais. Vous, Archive. La voix, c'est capital. Car qu'est-ce qui nous reste d'un film ou d'une pièce? Quelques intonations, mais des intonations rares. L'esthétique, c'est pas primordial. Évidemment, il ne faut pas transformer le théâtre en cours des miracles. D'une actrice qui est belle, on le dit une fois. Qu'elle est idiote, on le dit toute la soirée. Et encore, je suis polie. Et encore, je suis polie. C'est une punchline extraordinaire. Je suis hyper d'accord avec elle sur la voix. Je trouve que les comédiens de scène, mais aussi de cinéma d'ailleurs, qui ont une identité vocale forte, c'est quelque chose qui vous prend, quoi. Et Laura Felpin fait partie de ces gens elle a une voix multifacette, elle peut faire des tas de personnages. Et oui, c'est vrai qu'une voix, c'est... Enfin, moi, souvent dans la rue, on me reconnaît quand je parle, quoi. Si je parle pas, ça va, je peux marcher tranquille. Si jamais je parle... Quand vous parlez, quand c'est vous... Drôle, c'est cuit. Ah, même quand je parle, quand je parle, je gueule. Donc, évidemment que... Tu vois? Mais c'est souvent ça qui me trahit. L'identité visuelle, pour moi, c'est très important chez et un comédien. Et sur la beauté, c'est pas mal aussi. Ah, c'est très beau, ce qu'elle dit. C'est une punchline de spectacle. Ouais. C'est piqué. Ouais, ouais, mais elle était très, très drôle. Et belle, en plus. Et belle, exactement. Et belle, vous le disiez, vous n'êtes pas drôle. Et non, vous avez fait ce défaut une qualité, parce que vous êtes toujours très ronchon. Je suis un agressif, j'ai commencé comme ça, au Café Théâtre. Moi, vous engueuliez tout le monde. Je venais du théâtre. Dans la tragédie, Arthur Miller, 7 minutes de silence avant de commencer dans l'incident à Vichy. Donc je suis en coulisses et j'entends, si on se marre pas, on s'en va au premier sketch. Alors moi je suis rentré sur la scène en colère, j'ai regardé les gens en colère. Alors qu'est-ce qu'il attend pour commencer? Et c'est là que j'ai lancé d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous. Et je le dis en colère. Et le patron du Café Théâtre où j'étais m'a dit, tu ne feras pas une carrière en engueulant les gens. C'est pourtant, voilà. C'est pourtant ce que mes vous avez fait. Mes défauts sont venus des qualités. François-Xavier, dans le spectacle, il y a des imitations. Mention spéciale pour votre prise de Serge Reggiani. Tu vois, Patrick Bruel, en dépressif, voilà ce que vous dites au jeune public qui est dans la salle suivre. Vous imitez également votre fille de 16 ans, un rugbyman, François Cluzet, qu'on adore, vous l'avez déjà imité sur ce bateau. Vous voulez que je vous le refasse ou quoi? Ah bah oui, oui. C'est la nouvelle génération, c'est un mec extraordinaire. Vous le tenez toujours beaucoup, aussi bien. Vous le tenez oui, bah merci, écoutez. Mais plus original, dirons-nous, le spectacle, dans le spectacle, il y a un bruit d'omelette. Mais pas vraiment un bruit d'omelette, le bruit de quelqu'un qui prépare une omelette. Alors ça, on est assez surpris quand on assiste à ça. Ça donne quoi? Vous voulez que je vous fasse l'omelette? Oui, ouais, bien sûr, vous avez fait que le Clusier, donc on peut alors avoir l'omelette. Oui, bah non, c'est effectivement, j'imite une omelette et c'est... Quelqu'un qui touille une omelette. Oui, bah oui, mais c'est l'omelette. Tu peux faire l'omelette aux fines herbes? Ah oui, s'il vous plaît. Non, c'est pas... Et baveuse, après, vous pouvez. Bon, alors, non. Mais baveuse, c'est compliqué. Baveuse, c'est plus compliqué si on en met partout. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu ça dans ces spectacles. Moi, j'ai adoré les deux premiers spectacles. J'ai pas vu celui-là, mais j'ai adoré les deux premiers spectacles de François-Xavier parce qu'il y a ce côté très cartoonesque depuis toujours. Et moi, je suis vraiment fan, il le sait. Je suis vraiment très admiratif de ce qu'il fait parce que ça se perd malheureusement avec cette nouvelle génération, avec le stand-up et cette mode d'être finalement seul derrière un micro et de raconter des histoires. On perd un peu le côté que moi j'adorais chez Eli Kaku, que j'adorais chez Courte Manche, espèce de côté un peu fou, un peu dingue où d'un coup ça devient un personnage de dessin animé. Donc hâte de voir celui-là. Il y a un souvenir quand même douloureux, le pire souvenir sur scène, sur un parking. Sur un parking qui a été retransformé. De toute façon, c'était la pire idée du monde. Parce que c'était une fan zone pendant le foot, sauf que c'était un soir où il n'y avait pas de match. Donc, les gens vont à la fan zone parce qu'il y a des matchs. Donc il n'y avait que les gens qui traînaient par là qui se sont rendus au spectacle. Et autant vous dire que voilà, c'était pas le public idéal pour jouer en plein air, en pleine journée. Vos parents, ils ne sont pas choqués?
quand ils viennent à vos spectacles? Alors, mon père ne m'a pas vu encore sur scène, mais ma mère m'a vu. Elle rigole pas. mais ouais, elle va regarder les gens et elle va écouter. Mais elle est contente parce que les gens rigolent. Mais elle n'aime pas. Elle me dit la vulgarité, ça ne me dérange pas. Elle me dit, ce qui me dérange, c'est quand tu mimes. Ça, elle n'aime pas. C'est quand je fais des gestes ou des... Trop suggestif. Ouais, ça, elle n'aime pas. D'accord. Par contre, je peux dire n'importe quoi, ça la choque. Mais est-ce que vous vous auto-censurez ou alors qu'il n'y a plus de limite? Jamais. Zéro limite. Jamais. Jamais, surtout sur scène. Surtout, pour moi, la scène, c'est vraiment, même j'en rigole dans le spectacle, à un moment donné, je le dis, parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi on ne voit pas d'extrait de spectacle sur YouTube? Je dis, parce que je serais peut-être en prison. Parce que c'est pas ce truc de, on ne peut plus rien dire, mais c'est que la scène, pour moi, c'est encore ce moment qui est coupé du temps, de l'époque dans laquelle on est dans une bulle, et on peut tout dire, tout faire pendant une heure et demie, tout lâcher, et les gens, ça leur fait du bien. Oui, et puis sur YouTube, c'est forcément c'est ça. Coupé, sorti de son contexte. Il y a des gens, voilà, il y a des choses que je peux dire à la 45e minute que je ne peux pas dire après deux minutes de spectacle. Charlie Hebdo, c'est évidemment un des chapitres de votre ouvrage Rire. Charlie Hebdo, le seul journal qui rit avec la mort. C'est sa signature, sa philosophie profonde, sa raison d'être. Et encore cette semaine, l'hebdomadaire l'a prouvé avec sa une sur Émile, qui a provoqué des réactions indignées sur les réseaux sociaux, alors qu'elle dénonce surtout l'attitude des médias. Certains n'ont toujours pas compris ou ne veulent pas comprendre que le rire de Charlie est par nature scandaleux. Oui, puis le scandale, il est dans l'œil de celui qui regarde. Charlie Hebdo, dès sa naissance, a ri avec la mort. C'est ça, c'est un rire tragique, c'est pas un rire, c'est un rire philosophique. C'est ce qui m'a sans doute inconsciemment, attaché très fort à ce journal. J'ai mis longtemps à comprendre, à fréquenter les gens de l'équipe, de la première équipe, à discuter avec eux, enfin avec Cabu et Wolinski notamment, beaucoup. J'ai vu que c'était un principe de rire avec la mort. À la mort de leur meilleur ami, Rezer, ils ont fait une couverture à mourir de rire. Et ils étaient dévastés par le chagrin, une couverture scandaleuse. Parce qu'on croit que le rire est indigne. Il n'est pas indigne. Il est une façon de rester digne dans la pire tragédie. Un petit mot sur Sophia, avec sur toute Sophia. L'objectivité dont est capable quelqu'un qui a travaillé sept ans avec Sophia à la radio. Un septennat entier de complicité, de combats partagés, de rire inextinguible et de chagrin inconsolable quand des amis sont assassinés en guise de punition d'un blasphème. Sophia fait partie de ceux qui ne se sont jamais remis du massacre de Charlie. Heureusement, nous sommes encore nombreux et c'est sans doute l'une des clés de ton évolution, car tu n'es plus tout à fait la même qu'il y a 10 ans. Plus ferme dans tes convictions, plus révoltée, plus grinçante, plus intolérante à la connerie. Alors tu répondras fort justement que c'est pas toi, que c'est l'époque qui est devenue plus conne et plus intolérante, et je ne peux pas te donner complètement tort. De tous les humoristes que j'ai connus, Sophia est de loin la plus politique, la plus finement politique, et c'est ce qui nous différencie. Non pas que je me sente grossier, mais souvent, en t'écoutant, je me dis elle pourrait faire ce que je fais, alors que moi, je serais incapable de faire gondoler une salle. Voilà. Très bien. J'avais prévu l'éventail parce qu'il y a aussi de ça. Merci Patrick, ça me touche vraiment beaucoup. Effectivement, il y a un avant et un après cette période-là. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai changé. Je crois vraiment, je pense que je suis la même. Et, c'est l'époque qui est plus révoltante. Bah, on est quand même à une époque... Ce monde d'après, quoi. Bah, aujourd'hui, je passe pour une humoriste d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on dit de moi que je suis une humoriste d'extrême droite. Alors, qu'est-ce que je suis? Je pense que je suis une social-démocrate. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive dans une période dans laquelle tout est tellement polarisé, tout est tellement clivé, on est tellement en train de faire l'apologie du chaos et du désordre de tous les côtés, qu'aujourd'hui, être simplement social-démocrate, c'est être clivant. Vous imaginez? Être clivant en étant social-démocrate. Et la bascule, il y a une bascule avec le Covid? Il y a encore plus de complotistes, encore plus de wokistes, oui, encore plus de... Certainement, vous l'avez vu ici aussi, vous les avez entendus. Patrick, ce que vous appelez les timbrés. Aussi. Les timbrés, on en a un peu partout. Et effectivement, aujourd'hui, ils parlent très fort et on n'entend qu'eux. Et c'est quand même incroyable. Au moment de la Covid, on avait des tas de gens. Enfin, je veux dire, on m'a dit que quand je me foutais de leur gueule, je faisais du mépris de classe. Et je trouve ça assez humiliant pour les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale d'imaginer que les timbrés sont eux. C'est-à-dire, imaginez que les classes qu'on appelle la France d'en bas seraient forcément nivelées par le bas. Les abrutis sont la France d'en bas. C'est quand même assez insultant.
pour les classes populaires d'imaginer que ceux qui les représentent, ce sont les timbrés. Et je pense que si on veut respecter les classes populaires, on doit aussi parier sur leur intelligence et arrêter de les prendre pour des cons. La haine du rire, l'équipe de Charlie Hebdo l'a payé de sa vie, fin janvier 2015 et mi-mars. À nouveau, la dessinatrice Coco est insultée, menacée de mort pour ce dessin paru dans Libération, un dessin qui voulait souligner le désespoir des Palestiniens, mais qui a été condamné notamment par la députée La France Insoumise, Sophia Chikirou, qui a notamment tweeté « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». D'abord, c'est irresponsable de la part d'une députée, pour commencer. Ensuite, une fois de plus, elle n'a pas voulu voir le sens de ce dessin, parce qu'elle ne sait pas lire un dessin. C'est donné... Peut-être, normalement, ça devrait être donné à tout le monde de savoir lire un dessin. Là, ce dessin n'est pas scandaleux. Il est ironique sur une pratique religieuse. Et puis, il dénonce effectivement une famine de civils qui n'est pas supportable. Donc, il n'y a rien... Quand on gratte tout ça, quand on regarde dessous le sens, il n'y a rien de choquant. C'est une forme qui est brutale parce qu'on a besoin de ce langage... qui nous fait surgir une réalité à laquelle on ne s'attend pas et qui nous rend presque innocents en la regardant. C'est ça qui est important dans cet humour tragique. Vous empêcher de rire, c'est presque un contre-emploi absolu. Deux des auteurs qui travaillaient avec vous sur le SAV, Eric et Quentin, mon petit gars, ont une question à vous poser. Salut Fred. Salut tout le monde. On espère que tu vas bien depuis notre petit week-end Acrobranche, qui était très très sympa, on s'est régalé. Encore merci. Alors on a une question pour toi. Oui, alors tu joues dans la série Rictus, c'est une série qui s'intéresse au rire. Ah c'est marrant parce que nous on a un spectacle aussi qui s'intéresse au rire, on est sur scène, le spectacle s'appelle On ne peut plus rien rire. Voilà. Une promo discrète et bien placée, bravo Quentin. Bah je t'en prie. Alors tout le monde pose cette fameuse question, peut-on rire de tout? Mais nous on a envie de te demander, est-ce qu'on a le droit aussi de ne pas rire à tout? Est-ce que c'est grave de ne pas rire à certaines vannes ou certaines blagues, par exemple? Voilà, Fred, on veut une réponse concise et cocasse. Merci, les amis. Je pense que moi, je pense qu'on peut rire, comme disaient des proches, mais pas avec n'importe qui. Au début, je me disais ça. Et en fait, après, en grandissant, je me suis dit, mais non. En fait, comme dit Gustave de Kerven, que j'ai cité juste avant, on peut rire que de tout. On ne peut rire que de tout. Parce que... on rigole ensemble, on est ensemble. On se moque entre nous et on est bien entre nous. Et on est dans la société. Vous prenez le mieux vivre ensemble, vous faites des clins d'œil comme ça aux auditeurs et pourtant vous recevez des menaces de mort, Tanguy. C'est arrivé, ouais, mais comme à pas mal de gens. Ouais, c'est arrivé après le 7 octobre où j'ai un peu... Je me suis amusé à l'époque avec la France Insoumise qui avait du mal à dire les mots. Moi, je trouvais ça lamentable et je l'ai dit voilà, de manière un peu brusque, peut-être. Mais parce que l'humour, parfois, c'est aussi ça. C'est d'écrire de manière un peu violente ce qu'on ressent. Et je l'ai fait. Oui, il y a eu quelques jours difficiles, quelques journées difficiles. Et puis, au point que vous, ça passe, du coup, en fait. vous disiez, bon, je vais m'auto-censurer, je vais pas y aller. Non, pas du tout, je disais, je vais me couper des réseaux, quoi. Voilà, c'est mieux dans ce cas-là. Oui. Ouais, plutôt c'est vrai que nous, on recevait beaucoup de courriers, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y avait des courriers très virulents, mais à l'époque. Donc ça a toujours existé, mais en général, c'est pas. Mais fois, je le comprends. Des courriers virulents, c'est-à-dire avec des menaces physiques. Oui, sur certains sketchs, on recevait du courrier, mais on ne voulait pas les lire parce qu'il y avait tout ça. Mais il y en avait qui n'étaient pas tout gentils, très gentils. Et certainement très violents, mais je préfère pas, c'est pas la peine de se faire du mal pour rien. D'ailleurs, c'est parfois des personnes, si vous les croisez dans la rue, enfin, j'aime bien ce que tu fais quand même. Non, mais surtout, il faut bien se dire que nous aussi, on a droit à la parole. On est là sur des grands médias, on parle, on donne notre avis. Moi, je me dis toujours que dans un sens, une réaction, c'est une réaction, mais c'est des gens aussi qui n'ont pas le même droit à la parole que nous, qui puissent intervenir, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est plutôt les mots, parfois, qui sont durs. Ouais, après que les gens interviennent, c'est tout à fait logique. Voilà, il y a une frustration aussi de ne pas pouvoir dire. Ce livre, vous l'avez terminé au moment où le Hamas est entré en Israël à perpétrer cette attaque. Le 29 octobre, Guillaume Meurice crée la polémique sur l'antenne de France Inter avec cette blague. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Guillaume Meurice a été averti par sa direction. Il a même été entendu par la police judiciaire le 21 novembre. Il défend sa liberté d'expression. D'abord, est-ce qu'il vous a fait rire ? Non, parce que je ne suis pas sensible à l'humour de Guillaume Meurice pour une raison tout à fait simple, c'est que j'en parle longuement dans... Je ne parle pas de Guillaume Meurice dans mon livre, mais je travaille sur le rire qui surprend. Or, le rire des humoristes politiques, ce qu'on appelle en Amérique des clappers, c'est-à-dire que ils sont d'accord avec le public est d'accord avec eux, on le sait d'avance. Donc ce qu'ils vont dire est attendu, dès la première phrase, on sait où ça va. Et ça, moi, ça me fait pas marrer.
ça m'a fait rire peut-être autrefois. C'est un, mais rire, plus rire, un rire communautaire, un rire d'entre-soi. C'est un rire d'entre-soi qui ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un rire philosophique pour moi. C'est un rire grégaire. Bon. Vous ne l'avez pas pratiqué au début de la si, si, carrière ? Si, si, mais j'avoue d'ailleurs dans le livre l'avoir pratiqué. Et ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. Mais, enfin, qu'ils sont plus mais... moralistes qu'humoristes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce voilà. que vous avez été, oui. Oui, oui, oui. Et donc, le Meurice, je suis pour qu'il puisse dire ça. Moi, je n'ai pas du tout pour le censurer. Oui. La seule chose que ça... Peut-être le fait que ça soit sur le service public pose un problème, peut-être, parce que c'est payé avec l'argent public et que c'est monocolore, l'émission. Et normalement, on ne doit pas être monocolore dans le service public. C'est la seule chose que je trouve choquante. Le reste, je m'en fous. Je trouve ça pas drôle, mais je vais pas monter au plafond pour ça, enfin. Voilà pour quelques-uns de ces moments partagés avec nos invités. Merci à eux de leur confiance. Merci à vous de votre fidélité. Merci et bravo à Grégory Drey pour la réalisation de ces florilèges, à toute l'équipe de C'est à vous qui travaille vraiment beaucoup et qui se joint à moi pour vous embrasser. Excellente soirée, bon 1er mai, dans l'attente de vous retrouver très vite, demain d'ailleurs en direct. Excellente soirée sur France 5.